Hey hey hey, cucu mes petits culs, et bienvenue pour ce nouvel épisode du Lord and Lady Challenge où les couleurs de l'automne commencent à s'installer sur le petit bourg où habitent nos chers Flaubert. Ok, ça commence bien, mais quel est ce petit bichon? Vous le reconnaissez, non? Eh bien, voilà, c'est Tancred et il s'est dit, bah tiens, je vais réveiller tous mes frères et sœurs parce que c'est trop marrant, parce que franchement je m'ennuie tout seul dans la pleine nuit quand même. Ça, salut fille, je vais manger. Non mais, il a vraiment réveillé tout le monde quoi, petit con. Allez, vous retournez tous au lit. Non non, mais les filles aussi, vous retournez au lit. Allez, vous avez comment? Oh vas-y, elle commence à chialer elle aussi. Oh là là, les gosses, je vous jure. Ça va mieux quand il mange, hein. Quand il a la bouche pleine, il hurle moins. Bon, voilà, il a été relooké, donc les petits cheveux bouclés, pourquoi pas. Ça rappelle les cheveux de papa. Vas-y, mais c'est... Rat de gonde, tu casses les couilles, bon sang. Fais une sieste. Arrête de réveiller tout le monde, ça suffit. Oh là là, et elle aussi, elle va les gueuler. Putain, mais c'est quoi ça? Oh là, l'enfer. L'enfer des gosses. Oh, dis donc, je vais sortir le fouet. Hein. Ça commence à bien faire, les gosses, là. Hein. Allez, on est prêt pour une nouvelle journée, Mathuring. Allez, tu vas commencer par manger. Ça, c'est bien le fils à son papa, Anastase, hein. J'ai hâte de les voir plus grands, les garçons. Enfin, tout le monde, en fait. Hein. Ah, c'est tellement drôle, hein. Il a fait une sacrée blague. Hein. Sinon, le jardin, bah, tout va bien. Hein. C'est qu'il y a du taf, un petit peu, quand même. Il y a de quoi récolter, s'occuper un petit peu. Donc, bah, mon petit Maturing, tu pourras tout désherber. Ouais, il y a des bestioles ici. Ici, hop. Insecticides. Et puis, tu pourras tout récolter après. Merde, les gosses, ils sont allés à l'école! À la boulette. Eh ben non! Ben oui, et dis donc, je vous ai jamais dit d'aller à l'école, moi, saleté, là. Vous revenez tout de suite. Hein? Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ouais, performance trop mauvaise, on s'en fout. Les petites sont réveillées. Pour chialer! Oh, j'en ai marre. Et vous allez retourner au lit, hein, sérieusement. Il n'y a plus à manger! Ah, t'es réveillée! Eh ben écoute, go, macaroni, hein, Petroni. Non! Pas la vaisselle! Mais non! Mais arrêtez, punaise! Et toi, je t'ai demandé d'aller pisser, t'as même pas été, quoi! Tu commences à casser les couilles aussi, Anastase, hein, moi je te le dis. Hein. Il m'a déjà tout récolté, lui! Mais ouais, mais si tu vas aussi vite que ça, qu'est-ce que tu veux que je fasse de tes journées, mon petit Mathurin, là? Parce qu'on va jamais avancer avec tes histoires. Hein. Oh, 16 rue du Dragon, les enfants, ça va tellement valoir, on va tellement être. Mais. Waouh, quoi! On va vraiment avoir beaucoup de pognon. C'est bien gentil, mais tu peux leur donner à bouffer à tes gosses, non? Les filles, toi t'as super faim, tu vas manger là. Et toi tu fais pas la vaisselle, Mathurin! Oh, allez, tu me saoules, tu vas y courir. Hop, comme d'habitude. Les petits bambins rouquins, comment ils vont? Et petit, bah, il ira faire sa sieste après dans la chambre quand même. Hein. En attendant que les filles grandissent, qui vont grandir quand? Eh bien dans 0 jour, donc d'ici le temps qu'elles se mettent à clignoter et qu'effectivement elles grandissent de toutes d'elles-mêmes, on a le temps. Et les garçons, vous irez pêcher un petit peu pour choper votre dîner, hein. Comme ça, vous irez griller sur le nouveau feu qu'on vous a acheté. Le bidou, il pousse un petit peu sur la vessie quand même. Hein. Pour l'instant, elle est au troisième trimestre en 19 h. Très bien. Quoi? Ah bah elle a envie de faire la lessive, t'es sûre de toi? Ah oui, non, oui, t'as raison. Ça va être comme ça va être un petit peu tout le temps. Ah bah tiens, le bug est de nouveau là. Ils sont mignons tous les deux à faire leur petite pêche. Bon, il c'est un petit peu venteux, mais le paysage est toujours aussi beau. Hein, franchement, faut en profiter avant l'hiver. Hein. Oui, alors on pourra dire ce qu'on veut, mais elle est en train de kiffer sa vie pour l'instant, la Petronie, avec sa lessive et tout. Hein. Ouais, enfin là, d'un seul coup, un peu moins, mais elle est contente quand même. Hein. Et une lessive de plus à ajouter au compteur. Quand même discuter un petit peu, hein, parce que bon, vous pouvez même faire crac-crac sans incidence maintenant que on va carrément être au complet. Qui c'est? Oh, mais tais-toi! Mais si t'es fatigué, tu vas te coucher! Non, c'est laquelle qui pleure? C'est Cunégonde. Non, oh là là! Mais va dormir un coup, tiens. Pff, tu me saoules. Radgonde aussi, hop, faire une sieste. Et lui là? Eh ben aussi, hop, une sieste pour tout le monde! Une sieste pour tout le monde, pour tous les bambins. Non mais ça suffit. Alors, oh là, alors maintenant que tu as mis les mains dedans, Mathurin, tu nous dis ce que c'est? Mais ce serait plutôt le contraire normalement. C'est plutôt à lui de te faire un massage là. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, ça va être l'heure du dîner. Les garçons, vous pouvez revenir à la maison.
Bon, Anastase. Anastase, il est déjà perdu, là. Qu'est-ce que tu fais? Ah, t'étais... Ah ouais, t'es tout sale, en plus, mon pauvre. Vous en avez pas marre de bouffer des pâtes, quand même, hein? Les enfants, hein, vos gosses, ils vont faire un petit peu de poisson. Ça changera. Mais vous arrêtez pas, arrêtez de chialer, non, les deux. Oh, allez que vous couchez, j'en ai marre. Oh. Allez, tu vas faire griller un poisson. Et puis toi aussi, faire griller un poisson. Non, non, vous touchez pas au macaroni, ça fera 2 repas de plus. Et vous, ça vous fera du bien d'avoir un petit peu de poisson à manger. C'est quoi ce regard? Ça fait un peu bizarre, non? Je lol un petit peu là devant cette image. Certes très mignonne, mais... Oh mon frère, qu'est-ce que t'es beau! Ah ouais, t'as vu mon poisson comme il est beau! Ah ouais, c'est les plus beaux poissons. Et quand c'est pas l'une, c'est l'autre qui chiale! Mais t'es sérieuse? T'as réveillé ta sœur? Allez, vous avez discuté un petit peu. Et ben voilà! Un petit poisson grillé médiocre! Et médiocre, bah tant pis, ça vous nourrira quand même. Et une fois n'est pas coutume, tu vas border tes gamines pour une fois qu'elles se couchent un peu tôt et toi que t'es pas trop naze. Voilà, ça c'est fait. C'est tout mignon en plus. Bon, il est pas si bon que ça, votre poisson pourri. Oh, moi le smifa. Bah, t'iras après au pipi et puis après t'iras te coucher, tiens. Nora la paix! Les gosses au lit. Non, tu fais pas la vaisselle, toi. Hors de question, Fulbert, tu vas aller aux toilettes et t'iras te coucher également. Mais c'est bien, ils auront eu le temps de discuter aujourd'hui entre deux. C'est mignon, c'est bien ça. Puis bon, tu vas nettoyer les dernières assiettes, hein. Et puis après, vous pourrez aller vous coucher aussi. Ah, oups, c'est bon, lui, il devrait dormir un petit peu. Oh, lit, le petit Tancrède là. Bon, les amoureux, ça vous dit de faire un petit crin-crac histoire de s'occuper, quoi. Hein? De finir la journée tranquille, tranquille, tranquille. Ah, putain, mais qu'une éconde, je te supporte plus. Eh, tu retournes au lit, toi. Ouais, t'iras te laver plus tard. Pouh. Ce matin, il y en a une qui s'est levée tôt, hein. Allez, ça va être bien. Ah, et nausée matinale, bah ouais. Et puis, 3h13 dans 8 minutes. Ah, d'accord. Dans 24 heures, on a un accouchement. Bon, pour l'instant, tout se passe bien. Malgré qu'il y en a qui sont pas bien. Ah, Tancred, il a un poil fin. Donc, faudrait que tu lui serves après. Faudrait que tu lui serves un petit plat après. Ça se voit qu'il va commencer à faire froid et un peu moche dehors, hein, parce que j'ai l'impression qu'on va rester très très groupés dans l'intérieur, dans la maison. Il va falloir que je trouve des trucs pour occuper les gosses. Oh, mais regardez! Oh, on a d'autres fruits du dragon, ils ont fini par pousser. Oh, c'est trop cool. Ça y est, ça pleut. Mais c'est pas grave, tu vas aller tout récolter quand même. Mais il n'y a pas de baignoire, il n'y en aura pas. Tu peux la laver dans le chaudron à la limite, comme ça elle pourra cuire et ça rajoutera un peu de jambon. Ah, oh, punaise, Fulbert, ça faisait longtemps. Oh, la saloperie. Ça suffit, c'est pas comme ça qu'on montre l'exemple, Fulbert. T'es l'aîné, tu dois respecter les règles. Petit con. Oh, il y a encore une fois plus de... Eh, tu veux nettoyer? Non, tu le laisseras, il nettoiera lui-même. Allez, on est reparti pour les macaronis. T'as toujours pas eu 4 ans en cuisine? Je pense que ça y est, pour la prochaine fois, on pourra faire autre chose que des pâtes, les enfants. Oh, bah, elle a repris le relais aussi. Par contre, je veux bien que tu joues, mais je vois l'intérieur parce qu'il pleut un peu, tu vois. Donc, ce serait dommage si t'as taperais en plus une saleté. Rrr, les gosses. Bon, il nous a tout récolté. Juste un petit coup d'œil. 28 fruits du dragon. Entre 250 et 361 simflouz pour un fruit du dragon. Mais qu'ils sont mignons quand ils font que pour discuter. Bon, ils puent, hein, on a l'habitude maintenant, mais c'est mignon. Oh, ma Petronille! Oui! J'ai une bonne nouvelle pour toi. Vas-y, nettoie ça avant. Nettoie ça avant. Voilà. Et tu vas pouvoir venir te laver. Oh, sous la pluie, toute nue, sous la pluie, la liberté. Ça faisait longtemps. Et ben voilà, elle prend son pied à se laver sous la pluie là. Faudrait que personne vienne quand même, ce serait bizarre, mais. Non, par contre, t'es pas obligé de chanter. Non, vraiment. Oh merde, qui c'est qui m'a fait ça? Faudra que tu viennes nettoyer, ma belle. Ouais, mais il n'y a pas de baignoire, ça sert à rien de lui proposer. Mais oui, mais t'es bête, hein, Mathurin. T'as déjà fait le tour de ta maison quand même quelques fois. C'est l'enfer, les gosses ils se pissent dessus et tout, ils en foutent partout et tout. Ah voilà, papa qui joue avec son garçon. C'est très bien ça, c'est très mignon, moi j'aime toujours autant, hein. Je sais, je vous le dirai à chaque épisode, mais s'il faut, mais j'aime toujours autant.
Non, rat de gourmande! Oh, saleté, je préfère que tu te pisses dessus, va. Oh là là, c'est pas vrai. Bon, maman, tant pis, arrête de t'occuper de sa sœur, parce que je pense que là, tu vas devoir servir à bouffer pour les gamines. Oh bah ça alors, c'est bien intéressant. Petroni, il a une bonne répute. Hé! Anastase! Oh, j'en ai marre. Plus vous pouvez rien faire de... Vous êtes chiants, les gosses, là. Mais dis-tu que t'es parti dormir sur un tronc d'arbre en pleine... sous la flotte, toi. T'es pas un peu faux-folle sur les bords? Viens dormir au moins dans la chambre. Putain, Fulbert. Mais c'était sûr, en fait. C'était sûr. Je vous jure, je vais l'enfermer entre quatre murs, celui-là. Hein. Et mettez ça... Mais je t'ai dit... Oh, va dans la chambre, espèce d'idiote. Allez, Cunégonde. Non, c'est Radgonde, celle-ci. Oh, je sais déjà plus, moi. Tiens, c'est vrai que c'est une bonne idée, je vais leur faire faire leurs devoirs. Bon, ça sert à rien en soi, parce qu'ils vont pas à l'école, mais au moins, ça les occupe. Et pendant ce temps-là, ils font pas de conneries. Oh, 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 ça y est, Radgonde a grandi, ça devient une jeune fille. On va la mettre faculté sociale, et elle sera 1, 2 et 3. Oh, bah non, pas geek, alors. Hop, rat de bibliothèque, bah pas trop, ça colle pas avec leurs conditions. Soignée. Allez, pour une fille, ça passe. Eh ben voilà, Radgonde! Oh, ce que les choupettes! Oh là là! Oh, elle est trop belle! Pour l'instant, elle est trop belle, en tout cas. Et c'est parti pour la deuxième, évidemment! Donc, Cunégonde a aussi grandi. Elle sera... Bon, je vais faire créativité. Et elle sera 1, 2, 3... crasseuse. Oh bah, entre la soignée et la crasseuse, bah comme ça, au moins, on aura les twins opposés. Ça veut dire que Tancred, mon chou... T'es pas obligé de dormir. Bah, l'autre, elle pique le lit de ses frères. J'hallucine. Tu vas pouvoir dormir dans un vrai lit, mon petit. Et puis, Cocotte, non. Bah non, en fait. Tu vois, tu vas sortir et puis on va te faire une vraie chambre. Bah, pendant ce temps-là, on a raté. On a raté Petroni qui s'était pissé dessus. Ma belle, en plus, il pleut même plus. Tu peux même plus te nettoyer. Allez, tu vas faire ça et tu vas te coucher pour de bon parce que là, t'es fatigué. Et les garçons, eh ben les garçons, ils vont aller aussi au lit. Ah, tant pis si y a pas trop de fatigue. Il est 21h, vous cassez les pieds, vous allez au lit. Bon, les enfants, l'heure est grave, on n'a plus une thune. Mais je peux rien faire. Regardez, j'ai rajouté une chambre. Pour les filles. Bon, bien évidemment, c'est une chambre avec un lit double. Hein, mais même en poussant le lit dans le mur, il n'y a qu'une des deux qui peut aller au lit. Je peux pas grandir, on a plus d'argent. Ah, donc bah la deuxième, en attendant d'avoir un peu de sous, bah, il faudra qu'il y en ait bien une qui dorme sur le banc. Tant pis. Sachant que pour l'occasion, j'ai revendu les berceaux que j'avais eu en trop, celui que j'avais eu pour la jumelle et le dédoublement qu'il y avait eu dans le CS. Donc ça m'a fait 300 simflous de plus. C'est le jeu qui a déconné et qui m'a donné ça, donc je l'ai pris. Mais voilà. Donc on est un peu pauvre là. Et c'est bientôt l'anniversaire de Fulbert. Oh non, déjà. Ouh là là, le milieu de la nuit, Petronille, le bébé va arriver bientôt, hein. À se coucher tôt, on se lève tôt, hein, les enfants. Fulbert est déjà debout, il veut voir son dernier petit frère ou petite sœur arriver, donc il est là. Pendant que Mathurin vient se lever, et Petronille va se coucher rapidement, alors que bébé numéro 6 va arriver, dans vraiment peu de temps maintenant. Oh, puis il y a aussi la lessive qui s'y met. Oh, ça y est. Ça y est, c'est l'heure de bébé 6. Oh là 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 là, bébé 6 is coming. Pff, bon sang. J'ai ma petite liste. Je ne sais pas encore. Allez, c'est parti, Petronille. C'est le dernier, promis, tu n'en auras plus jamais. Donc, fais-nous une fille, je t'en prie. Et c'est... Pouah, c'est une fille. Oh yes. Oh, c'est trop bien. Du coup, ce sera Hildegarde. Et bien sûr, il n'y en a qu'une, hein, puisque c'est un sixième enfant. Il n'y a plus de place dans le foyer. Donc évidemment qu'il n'y en a qu'une. Oh là là, ça y est, la lessive, il y en a partout. Ça va être l'enfer. Ah, c'est pas vrai. Oh là 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 là. Puis alors, ça va pas arrêter. Là, je le sens. Petronille, elle se retourne, elle se dit « Mais c'est quoi tout ce bordel, petit ?» Oh, ma pauvre. Bon, Hildegarde est bien arrivée, ça y est, elle fait déjà dodo. Elle est belle comme sa maman. Oh, le bordel dans la maison. Mais non. Mais c'est encore des pré... Je m'attendais à ce qu'on... Mais
C'est quoi ce délire? Mais elle a le niveau 4 pour faire des autres plats! Faut arrêter maintenant de nous foutre des macaronis, on en a marre! Bon, toi, Mathurin, t'as du taf. Entretenir, voilà. T'as du taf dans le jardin, là. Beaucoup de taf! Ça commence. Tu veux pas changer les couches de ta sœur? Tu peux babiller, tu peux parler, tiens. Mais je vous ai pas montré les filles, du coup, leur relooking qui a eu lieu dans la nuit. Alors, faut savoir que Cunégonde, donc la rouquine, hein, elle ressemble, elle va beaucoup ressembler à son papa. Voilà. Et Radegonde, elle, ça va être toute sa mère, je pense. Ah, ah, regardez! C'est bien! Radegonde, elle fait la vaisselle! Je vais pas lui dire non à elle, hein, par contre, hein, c'est une fille, donc malheureusement, tiens, tu peux même le faire sur les autres. Par contre, Mathurin, bah, t'as pas été tout récolté, donc go. Vas-y, vas-y. Bon, après, ça va être tellement rapide avec toi. Pétronille, non. Tu vas pas boire un coup. Tu jamais. Fulbert, j'en ai marre. Oh, qu'est-ce qui m'agace! Vous imaginez pas à quel point j'en peux plus. Y a rien qui marche. J'ai fait le calme, j'ai fait le ferme, j'ai fait le sévère, j'ai fait la punition. Fulbert, il est insupportable. Tu vas devoir faire la lessive, hein, parce que là... plus rien ne va! Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'était une des jeunes filles, elle a grandi. Oh, les garçons, venez voir. Parce que ça pourrait être intéressant, hein, de très bientôt. Oh non, monsieur Anastase. Oh, je sais plus, moi, comment il s'appelle, Tancrède. Oh, Tancrède, tu me gonfles, tu vas le punir. Donc voilà, la jeune fille en question. Oh, je pense que ce sera la future femme d'un de nos deux protagonistes, là. Vas-y, ma belle, tu peux vider ta lessive. Je crois qu'il y a un problème, hein, au niveau de la lessive, parce que... Mais qu'est-ce que tu fais, toi? Il a remis du linge direct dans le bac, et c'est dégueulasse. Non, maman, t'as pas le temps de faire une petite pause que t'as Hildegarde qui est déjà en train de gueuler. Oh, Radegonde, t'es cradingue. Va te nettoyer aussi un peu. Oh, putain, Anastase. J'en ai marre. J'en ai marre de ces gosses, j'en peux plus, je vous le dis tout de suite. Mais maintenant, c'est elle. Mais attendez, lui, c'est qui? Oh, waouh. Comment il est beau! Pourquoi t'es jeune adulte? Ah merde! T'aurais pu tellement nous servir! Pour une de nos filles, t'es beaucoup trop vieux! Pff, allez, maintenant c'est lui! J'en ai marre. Faire un câlin pour dissuader? Un coup de pied au cul, ouais, plutôt! Bon, Hildegarde, elle est en train de pleurer! Maman, faudra venir t'en occuper! Voilà. Je pense qu'elle a faim, la petite. Non, mais alors, monsieur! T'es beau gosse, mais ça sert à rien ce que tu fais là. Voilà, hein, tu m'as juste foiré mon coup. Mais laisse notre fille tranquille, monsieur. Quoi? Il lui fait des bisous, c'est un putain de pédo. Oh, l'enfoir. Oh, et allez, c'est à Cunégonde maintenant. Youhou, c'est génial, vive la vie. Bon, sympa l'invité, c'est lui qui nettoie. C'est toujours ça de gagner. Mais tu vas te taire, Tancrède, hein. Tout le monde là au lit. Et laquelle des deux est la plus fatiguée? Eh bien, ce sera Cunégonde qui profitera du lit cette nuit. Tu vas me faire ta petite vaisselle. Voilà. Tu as bien aidé ta maman. Elle sera bien contente. Et tu vas pouvoir dormir sur le banc. En espérant qu'Hildegarde ne te réveille pas à chaque fois. La maison est calme d'un coup. Tout le monde est en train de dormir. Ça fait un bien fou. Moi, je vous le dis tout de suite. Et c'est là-dessus, du coup, que je vais vous laisser pour cet épisode. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu. Ça y est, la famille est au complet. Oh, nous avons 8 Sims au foyer, 6 enfants. Et bientôt, on va se poser la question de qui va être l'héritier de cette génération. Mais on n'y est pas encore. Bon, pendant qu'Hildegarde se réveille et nous casse les pieds, je mets sur pause et je vous fais très gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine pour la suite du Lord & Lady Challenge ou d'autres choses. Salut!